La paix et la grâce de Dieu soit avec tous, frères et sœurs. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes contents d'être ici encore ce soir pour poursuivre avec notre étude. Et nous saluons tous ceux qui sont présents dans l'Assemblée. Et nous espérons que les autres viendront pour nous joindre en vue d'étudier ensemble la parole de Dieu. Et nous vous invitons à vous préparer pour la prière. Nous allons débuter. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment pour ce cadeau que tu nous fais d'être ici ce soir pour jeter ta parole. Alors, nous te demandons pardon pour nos péchés, nos iniquités, nos fautes cachées, et mon Dieu, les fautes les plus profondes dans nos cœurs. Pardonne-nous, mon cher Seigneur, afin que nous puissions étudier ta parole avec un cœur léger, mon Dieu, avec une sagesse vraiment divine, capable de nous permettre de comprendre ce que nous étudions. Nous comptons sur toi, cher Seigneur, bénissez-moi pour nous, et ceux qui sont présents, et ceux qui sont en route, et chassons de tout esprit qui n'est pas ton esprit, afin que nous soyons vraiment prêts pour t'écouter à travers cette étude. Bénis-nous, assiste-nous, car ce que te demandons au nom de Jésus, à vous en siècle et des siècles. Amen. All right. So, Sœur Yuel, qui côté nous t'es semaine dernière encore? Huit ou bien neuf? Une là-dedans. OK. All right. So, nous avons continué. Et la semaine dernière, nous avons terminé avec un côté que nous avons fait well, lorsque nous acceptons l'œuvre complète de Christ. Lorsque nous acceptons l'œuvre complète de Christ, pour nous, nous agissons par la foi. Depuis nous avons Jésus dans la vie, nous n'avons vu pas la foi que nous a donné la grâce de Dieu. Cette grâce nous a donné la foi. Nous a dit que c'est l'acte suprême de foi humain. C'est l'acte suprême de foi humain. L'acte que Dieu, qu'il soit, a fait par nous. On vient, et premièrement, mes frères et sœurs, de Dieu. C'est de Dieu ça sortit. C'est le don de Dieu. OK? Le verset termine ainsi. C'est par la grâce que nous sommes venus par le moyen de la foi et cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu qu'il nous fait par grâce. C'est un don que Dieu nous fait par grâce. Lorsque quelqu'un s'étouffe ou se noie et arrête de respirer, ça, les mounes ont tout fait, puis il n'y a pas qu'à respirer. Et il n'y a rien qu'il puisse faire. S'il se remet à respirer, c'est parce que quelqu'un a réactivé sa respiration. So, c'est ça qui fait qu'on est arrivé vivre encore. Si je ne peux pas réactiver la respiration. Et nous-mêmes, tous nous tombons dans le monde mourir. Et nous venons avec Jésus-Christ qui réactive la respiration. Celui qui est spirituellement mort, ne peut même pas rendre une décision par la foi. On ne peut même pas rendre une décision. On mourit. Les mots n'entendent rien. Avant que Dieu n'introduise, très important ça, dans le sujet, ça fait midi encore, celui qui est spirituellement mort ne peut même pas rendre une décision par la foi avant que Dieu n'introduise d'abord en lui le souffle, parce que si mon Dieu va souffler encore, on va être capable de comprendre, on va être capable de travailler. Ok? Sur nous. Donc, est-ce que vous êtes sur ça? C'est le souffle de vie spirituel, parce que nous avons besoin de cette vie. Avoir la foi, c'est tout simplement exhaler le souffle que procure la grâce de Dieu. Exhaler le souffle. Pourtant, ce qui est paradoxal, c'est que nous devons avoir cette foi pour être jugés. Nous devons avoir cette foi pour être un jugé. Une fois ça, si ce n'est pas ça, tu vas tomber en bas, jugement, okay? Être un jugé coupable avant de ne pas l'avoir. Donc, Jean 5, verset 40, son petit nom de carrière, ça dit Jean 5, verset 40.
premièrement, s'il est vrai que le salut est entièrement le produit de la grâce de Dieu, ça n'a jamais rien. Évidemment, s'il est vrai que le salut est entièrement le produit de la grâce de Dieu, il n'est point par les œuvres. Il n'est point par les œuvres. Évidemment, s'il est vrai que le salut est entièrement le produit de la grâce de Dieu, il n'est point par les œuvres. Point. So now, on va voir quelques versets. L'effort humain n'y est pour rien. L'effort humain n'y est pour rien. Romains 3, verset 23. Bon, c'est réalisé, oui. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Évidemment, s'il est vrai que le salut est entièrement le produit de la grâce de Dieu, il n'est point par les œuvres. Mais pour qui ça, il n'est point par les œuvres là? Nous comprenons ça? Hein? Ça non, dis-le là. So, t'aimerais le pour vous encore. Évidemment, s'il est vrai que le salut est entièrement le produit de la grâce de Dieu, il n'est point par les œuvres. Il n'est point par les œuvres. Et demandez-nous, pour qui ça? Il n'est point par les œuvres. Christ a tout payé à la croix. Afin que personne ne se afin que personne ne se glorifie. Amen. Oh, that's sad. Ah, you're about to parle. Okay, fini. Oh, about to parle. Ah, come on. Afin que personne ne se glorifie. Tiens-moi, répétez-le encore. Évidemment, s'il est vrai que le salut est entièrement le produit de la grâce de Dieu, il n'est point par les œuvres. Sur les œuvres, qui est-ce qui va faire œuvre là? Nous-mêmes. Si on va être totalement par mon Dieu, si on ne peut pas prendre une œuvre pour venir glorifier, pour venir dire c'est moi, afin que personne ne. Eh bien, moi, dis-le, il y a un verset à lire, oui. Et l'Apocalypse aussi le confirme, personne ne fut digne d'ouvrir le livre. Ok, c'est ça même. Pas un monde qui était digne pour ouvrir le livre là. Jusque-là. Oh, ça, c'est une gombale pour le dire. Oui, ça va dire même. C'est simple, man. Pour qui ça? C'est un mariage qui est clair là. Est entièrement le produit, entièrement, je ne dis pas rien manqué, le produit de la grâce de Dieu, il n'est point par les œuvres. Ça trop de monde a glorifié tête, c'est moins bon. Il ne parle pas les œuvres pour tout le monde. Depuis que nous faisons des bagages, nous bénis. Ce n'est pas moi, je ne vais pas marcher. Et puis, quand l'Éternel quitte au fin de parler, puis il retire dans le travail. Et puis, il y a un travail à camper parce qu'il n'est pas là. Et pas vrai? Non. Excusez-moi. Afin que personne ne se glorifie. Son cadeau, mon Dieu, fait qu'on est capable de travailler pour lui. C'est un gift. C'est un cadeau de Dieu. C'est un gift from God. De vous capable de travailler pour mon Dieu. Son gift, oui, hein. Son gros gift, oui, pour vous travailler pour mon Dieu. Pas n'importe qui m'a dit, non, à mon Dieu. Ok, cela, l'effort humain n'y est pour rien. Romains 3, verset 23. Nous allons Galates 2, verset 16.
beaucoup de monde qui cache venir toujours. Mais bon, m'a dit frère Simon, pas besoin de micro encore parce que m'a dit il pas besoin de micro encore parce que néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. That's it. So, est-ce qu'il y a une moitié dans ça qui dit là? Non, pas une moitié là non, du tout. Pas une chair qui a glorifié par autre bagaille. It's impossible for that. Now, because only God can do it. C'est seul bon Dieu qui a fait. Galates 1, 2, verset 16. Et ainsi, personne ne peut se glorifier. Et ainsi, personne ne peut se. Ok, comme s'il avait fait quelque. Parmi nous, tout est font un petit bagage pour la sauver. Si vous avez un bagage pour faire, bon, ok, bon, moi, si vous avez un bagage pour faire, c'est qui ça? That's it. Yes. Yes, yes, je vous dis seulement. Vous n'avez pas besoin de faire parce que tout a été fait. Toutes les dettes sont payées. On seul doit accepter. Le repas est prêt. Le dîner est prêt. Tout simplement, la table est prête. Tout ce qu'on a fait, qu'on a à faire, c'est de s'avancer, s'asseoir autour de la table et dîner, voilà ça. Et puis bien manger là, dans le ciel. Bon, et ça va être important pour nous qu'un bébé, ça pour nous pas oublier. Et c'est bon Dieu qu'on s'en a fait. Afin que personne ne peut se glorifier, virgule, comme s'il avait fait quelque chose. Il n'existe aucune, attendez ça, mes frères et sœurs, il n'existe aucune cause d'orgueil dans le fait d'être en sauvé. Pas bien aucune cause d'orgueil dans le fait d'être en sauvé. Romains 3, verset 27. Romains 3, verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Il est exclu. Pourquoi? Par quelle loi? Par la loi à des œuvres? Non! Mais par la loi de là? Par la loi de là? Oh, mais moi, t'as plus contre moi. Son verset m'a plu, oui. Galates 3, 27, oui. Oui, Romains 3, 27, oui, mais. Oh, oh. Oh, oh. Dis-le pour autant dénoncer maintenant. Oh, oh. Pas faire ça. Comme s'il avait fait quelque chose. Il n'existe aucune cause d'orgueil dans le fait d'être sauvé. Pas une faire orgueil parce que une date. Romains 3 verset 27. OK? On regarde Romains 4 verset 5 dans ça dit lui-même. Verset 5. That's it. OK. Est-ce qu'il y a un dans ça là? Très clair pour l'expliquer, nous pour nous comprendre. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme, qui ça? Une grâce, mais comme une chose due. Et ou pas travail pour rien qui due. C'est jouer nous toute bagaille. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais verset 5, mais qui croit, ouais, il va faire œuvre, il va faire rien, ça le fait seulement. Qui croit, et puis ça arrive. That's it. Grâce, justice a été que son bagaille purement. Juridique, c'est son justice qui fait et son justice éternelle. C'est mon justice aujourd'hui, mon justice éternelle de la part de Dieu. Ou même si vous jouez avec lui, si vous voulez me parler, mais cette grâce a été donnée, ce n'est pas qu'un effort fait pour bénéficier de cette grâce, c'est un don de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 31.
Tout ça, c'est important pour nous pas jamais dire. Que mon cap glorifie pour glorifier qui boit dans le Seigneur. C'est pas vous même qui cap fait rien pour glorifier tête tout. Mais nous même nous aimons glorifier tête nous en pile. Ah ouais, c'est pas là, bah là pas ta fête nous. C'est moi qui la fait bah là passer bien. Une balle là, on est pas marché non. Bon Dieu, c'est bon Dieu, bon Dieu pas bon Dieu. Il est Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit et la chose, il ordonne. Bon, qui sont au café là au même moment là? Et ces choses-là ont été préparées pour nous. Quand? That's it. Bon Dieu préparé ça pour nous. Ça vient là, c'est pas pareil où vient faire nous. C'est bon Dieu fait pour vous. Tout ça n'a joué pour nous, c'est bon Dieu fait pour nous. On va faire rien. Bon, qui sont fait? Ou Dieu saute dans votre moment, ou crie, yeah! Et vous finissez, yeah! Et puis, au moment, on va capter que. Au moment, on va capter que. Et puis, on bon Dieu cap veille sous. Et il s'assure qu'on a bon Dieu venir travailler avant pour faire travailler. Si vous êtes content, vous êtes serviteur, mon Dieu, vous êtes servante, mon Dieu, et vous prenez bon Dieu sérieux, parce que dans les affaires de Dieu avec tout cœur, avec toute honnêteté, toute fidélité, sans arrière-pensée, vous observez, mon Dieu. Je dis à nous, il y a trop de soucis. Nous avons trop de soucis. Et nous servons Dieu négligemment. On n'est pas fervent comme on devrait être. De fervents serviteurs, comme a été l'Église du premier siècle, des serviteurs qui étaient fidèles, honnêtes, malgré qu'il ait eu des problèmes. Ils étaient des humains, mais tout est-il, le Saint-Esprit guidait l'Église et ces gens-là ont fait un travail extraordinaire, Dans nous travaillons, je ne sais pas si nous faisons un travail extraordinaire. Nous ne sommes pas fervents. On est tous d'accord. Nous ne servons pas Dieu fidèlement. Mais si c'est une prophétie aussi, est-ce que ça ne doit pas s'accomplir? Comment? Il est écrit, quand le Christ reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi? Maintenant, est-ce que quelque part, ce n'est pas déjà prédestiné que beaucoup de gens perdront la foi avant même l'arrivée du Christ? Est-ce que cela veut dire que les gens vont perdre la foi? Ou bien il y aura des gens qui perdront la foi? Non, il y aura des gens qui n'acceptent pas cette foi. Va vrai, parce que même dans la grande tribulation, il y aura des méchants. On est tous d'accord. Mais trouvera-t-il la foi sur la terre? Ah, mais c'est et on a vu ça dans le matérialisme. Ok. Ils seront fanfarons, aimant le plaisir plus que Dieu a mis de l'argent. Et tout ça, c'est. Mais c'est ce que Paul a dit. Sache que dans les derniers temps, il y aura ces gens-là. Non, la foi est là. Mais il y a des gens qui abandonneront la foi. Il y a des gens qui abandonneront la foi. En ce moment même, depuis après la pandémie, il y a des gens qui ont abandonné la foi. Mais pouvons-nous dire que ces gens-là sont perdus? Non. Ils sont encore en vie. Ils sont encore en vie. Mais s'ils meurent, mais on est en vie, on parle, on voit, on entend. On peut retourner à Dieu. Les bras de Dieu sont toujours ouverts pour accepter ses enfants. Et yes, il y aura cet arrêt. Et on vit dans l'abandon de la foi chaque jour. Il y a des gens qui abandonnent la foi chaque jour. On m'a fait telle ou telle chose dans cette église, je délaisse. Je ne vais plus à l'église. cette personne a abandonné la foi. Elle a abandonné l'église. Bon, ok, il n'y a pas de problème. On peut abandonner l'église. Mais peut-on abandonner Christ?
Mais si on abandonne l'église, on ne fait rien spirituellement, on abandonne la foi. Et quand la foi est abandonnée, Christ ne va rien faire. Il ne va rien faire parce que vous avez décidé de laisser. Et vous voyez, et c'est le problème de l'église aujourd'hui. L'église refroidit parce que par manque de foi, les chrétiens n'ont pas la foi. La foi, on a vu la manifestation de la foi dans l'église du premier siècle à travers la Bible. Mais dans nos églises, la foi existe. Il y a la foi, mais ce n'est pas manifeste comme c'était au premier siècle. Nous n'avons rien à te donner. Mais ce que nous avons, nous allons vous le donner. Au nom de Jésus, lève-toi. Marche à l'instant même. Le map libération, je m'a demandé what we are doing. Le map libération, je m'a demandé, ça n'a fait nous-mêmes comme chrétiens là même. Qu'est-ce qu'on a fait? Come on. L'église là est à peine à commencer. Oui, ça veut dire. Et à peine tout, il y a des. La foi est de pêche. Non seulement la foi était fraîche, mais aussi cet esprit était, comme on t'a dit, à peine fin rentré sous monsieur. Et monsieur, tu as une force extraordinaire, spirituelle. Non, mais Dieu n'a pas changé. Ils attendaient. Nous attendons également. Nous sommes encore. Parce que c'est ça, nous refroidissons. Yes. Ça veut dire que, pasteur, c'est vrai. Et c'est là, ma venue. C'est là pour eux. La foi, elle a toujours été. La foi n'a pas changé. Non. Mais. Au fur et à mesure que l'église là, a grandi, l'église, faibli. Et ouais, vous sentez ça là qu'un chrétien? Non, c'est ça la question du pasteur. Pourquoi? La Bible te dit ça, c'était une prophétie. Yeah. La foi se refroidit parmi les chrétiens. Oui. Et on a vu ça. Mais c'est ce qui se passe. Parce que on a tendance à se laisser guider par la chair, malgré qu'on a l'esprit de Christ en soi. Mais on ne pratique pas vraiment la foi. La foi n'est pas... Tu dis? Il ne parle pas trop d'accord. OK. Bon, anyway, so, c'est ça. Même pendant le règne millénaire de Christ, il n'y aura pas la foi. Il y aura des méchants. Yeah. Et Christ dirigera avec... une verge de fer dans la grande tribulation. Pendant la grande tribulation. L'église sera déjà enlevée. Oui, c'est ça, l'église sera enlevée. L'église sera enlevée. Mais l'église sera enlevée et nous serons avec le Seigneur, mais il y aura des gens qui vont accepter Christ. Il y a des gens qui vont accepter Christ. Et c'est pour cette raison qu'on a les 144 000 qui vont prêcher l'évangile du royaume. Ils vont prêcher l'évangile du royaume. Et c'est là les témoins de Jéhovah pensent que ce sont eux qui vont faire ce travail. Anyway. Ah, OK. Nous savons que Dieu a un plan pour l'humain. Notre devoir, c'est de croire. Nous devons croire. That's it. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que nous avons dit ça aujourd'hui? Parlez avec nous. Est-ce que nous avons dit ça aujourd'hui? La parole n'a pas changé. Hein? La parole n'a pas changé. Quoi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Ok, cet homme avait accepté et Jésus avec sa famille, il avait accepté Christ. Hein? Ah oui? C'est ce qui se passe dans le temps. C'est la famille entière qui prend l'évangile. Quand papa est converti, tout le monde se convertit. Dans la maison. Mais est-ce que ça se fait maintenant? C'est ce que j'aimerais savoir. On voit les parents à l'église et les enfants sont où? Où sont les enfants? Où sont-ils? Où sont les enfants que Dieu nous donne de garder pour lui?
Et Dieu va nous demander, qu'avez-vous fait avec un, comment on appelle ça, mon héritage? Psaume 121, non, Psaume 127 et Psaume 128, right, qui parle de la famille, de la maison. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Les enfants sont un héritage. Nous avons l'héritage de l'Éternel entre nous, mais et puis Dieu va nous demander, qu'est-ce que tu as fait avec mon héritage? C'est-à-dire, les enfants que je t'avais donnés. All right, so let's go. Pourtant, les bonnes œuvres ont une grande importance, comme Paul s'empresse de l'affirmer. Yeah. Bonnes œuvres ont une importance. Bonnes œuvres ont une importance. So, ça, c'est très important. Bonnes œuvres ont une pile importance. Pas chamblier ça. OK? So, ou fait bonnes œuvres. Qui ça faut faire bonnes œuvres? Pour manifester l'amour. Parce que mon Dieu a qui est ce boy ici? Oui, ça. C'est ce que nous sommes en train de voir. Qui s'en fait bonnes œuvres? Hein? Pourquoi fait-on, fait-on les œuvres? C'est ce que j'aimerais savoir. Pourquoi? Est-ce que les œuvres que nous faisons nous sauvent? Non. Mais pourquoi? Pourquoi le fait-on? C'est un commandement. Hein? On fait de bonnes œuvres parce qu'on est sauvé. C'est bon. Mais c'est ça, bonnes œuvres. On est sauvé. Et c'est la seule condition où nous pouvons vraiment faire des œuvres valables pour Christ, parce qu'on est sauvé. Et quand on est sauvé, on agit fidèlement dans tout ce qu'on fait. On fait des œuvres, puis il n'y a pas de propagande après avoir fait une œuvre. On ne va pas dire, ouais, c'est moi qui a, c'est moi qui est, c'est moi qui est. Oh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non. Tout ce que vous faites, ce que la main gauche fait. La main droite, qu'est-ce qui se passe de la main droite? La main droite n'a pas besoin de savoir. Ne doit pas le savoir. Mais nous faisons quelque chose ici, là, derrière la porte, on commence à parler. Et c'est pour cela que nous ne reçons pas tant de bénédictions de Dieu, parce que quand Dieu nous bénit, Dieu veut que nous bénissions les autres. Et quand nous bénissons les autres, nous ne devons pas compter. Continue à parler, à dire, j'ai fait, j'ai été aussi, si ce n'était pas moi, il ou elle serait. Non, on ne fait pas ça, Dieu n'est pas d'accord. So, nous sommes finis avec ça, right? Maintenant, nous allons prendre sauver pour de bonnes œuvres. 2, verset 10. Nous lisons, nous ça dit. Sauver pour de bonnes œuvres. C'est ça, nous t'a parlé là, nous allons entrer là-dedans même. Sauver pour de bonnes œuvres. Éphésiens 2, verset 10. Sauvé pour de bonnes œuvres. Quand on là qui croit que depuis vous sauvez, vous faites bonnes œuvres. Ça le dit. Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Faut si vous mettez dans l'air pour nous, si nous ne pouvons pas ouais avec genoux, non, Bible. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Et Dieu les a préparés d'avance et en ce jour afin que nous ne les pratiquions pas. Non. Oh. De nos jours, est-ce qu'on les pratique? Les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Dieu a préparé des œuvres avant et il préparait une pile bonne œuvre afin que nous-mêmes nous pratiquions. Afin que nous pratiquions. C'est du préparer d'avance. Ça veut dire que ce n'est pas pour tout ce qu'on ne peut pas faire rien. Tous les préparatifs ont été faits.
Et maintenant, c'est à nous d'appliquer ce que Dieu a dit. Ce que la parole de Dieu dit. Notre job, nous, c'est d'appliquer. Okay? So, on voit ça, le dit là. Mes frères et sœurs, ça, très important. Non. Bien qu'elle ne joue aucun rôle dans l'obtention du salut. Les bonnes œuvres, ok? Nous dit bien qu'elle, elle c'est pour les bonnes œuvres. Bien qu'elle ne joue aucun rôle dans l'obtention du salut. Les œuvres sont étroitement liées à la vie de celui qui est sauvé. Les œuvres sont étroitement liées à la vie de celui qui est sauvé. Pas chambler ça. Bien qu'elle ne joue aucun rôle dans l'obtention du salut. Elle n'a pas fait rien pour vous sauver. Les œuvres sont étroitement liées à la vie de celui qui est sauvé. Ça veut dire que vous sauvez, les œuvres sont liées à vous. Vous devez faire des œuvres parce que vous êtes sauvé. Christ vous a béni, il veut que vous bénissiez les autres. Ok, maintenant, les bonnes œuvres ne peuvent produire le salut. Attendez ça. Les bonnes œuvres ne peuvent produire le salut. Mais le salut produit beaucoup de qui ça? Yeah, c'est réel. Ah oui, c'est répondre aux questions à soi. Yeah. Produit de bonnes œuvres. Yeah. Parce que vous sauvez. Vous sauvez. Ouais, frère, après vous, mes frères, vous d'après vous, oui, c'est réel. Ça fait plusieurs réponses qu'elle a données. Frère, vous d'après vous, oui, c'est réel. Je suis de son côté. Non. Ok, c'est là. Les bonnes œuvres ne peuvent produire le salut. Mais le salut produit beaucoup de bonnes œuvres. Mon qui sauve, ils ont l'amour. C'est quoi pour du bonnes œuvres là? C'est l'amour de Christ qui vient tout bon. Hein? C'est l'amour de Christ dans vous, pas dans vous, pas qu'à faire. Vous devez faire tout effort pour qu'à faire parce qu'il faut que l'amour de Christ soit dans vous. The love of Christ in you will push you to do it, will encourage you to do it. But otherwise, je vais faire bonnes œuvres. Ok, on allait. Jésus a dit, attendez ça, Jésus a dit, Jean 15, verset 8, dans Jean 15, verset 8, Jésus a dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Bon, après verset ça là, si on n'a pas analysé verset ça là, on pas de problème dans verset ça pour nous-mêmes, je dis, ah, c'est pas vrai. Essayez le verset pour nous, essayez de comprendre pour nous, verset mon dia. Yeah. L'île pour nous. Le verset à nous, pour nous dire ça, le dit. Maintenant, Léa. Si vous portez quoi? Bon, là, analysons. Bon, si nous ne portons pas beaucoup de fruits, qu'est-ce qui se passe, non? Qu'est-ce qui se passe? You have to study the verse. You have to see what he said in the verse. So we understand our spiritual life. How are we serving God? Because cette Bible a dit, c'est Jésus qui a expliqué, monsieur. Je suis le cep. Vous êtes le serment. Je suis le cep, vous êtes le serment. Si vous demeurez en moi, il commençait avec un peu de fruits, et puis finalement dit beaucoup de fruits. C'est-à-dire que celui qui est attaché totalement et complètement au cep, c'est-à-dire que vous devez porter beaucoup de fruits. Et là, on porte beaucoup de fruits, ça va passer. C'est ainsi que mon Père, parce que Dieu est glorifié quand nous agissons bien sur cette terre comme chrétiens. Tout ça n'a fait nous un truc. Tout ça n'a fait nous un mesdames. Tout ça n'a fait nous un monde craser là-dedans. Tout ça n'a fait nous un monde nous pas besoin participer là-dedans. Et nous dans l'église. Tout ça n'a fait nous veiller un tel. Tout ça n'a fait, oh, un tel pas fait le bien. Et puis, c'est pas un bien pas fait le non. C'est parce qu'on pas d'accord avec un tel. Et puis, tout fruit ou produit, c'est mauvais fruit. Yeah. Si on a produit mauvais fruit, Then, frère, ma soeur, l'île, quel est le verset sans pas oublier? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et c'est cette raison, Jésus, notre leader modèle,
a passé toute sa vie à glorifier son Père. Dans la fidélité. Tout ce qu'il fait est fidèle à son Père. Il demeure fidèle à son Papa. Parce qu'il vient pour faire un travail, salut des hommes. Donc, moi-même, avec moi-même qu'on y a, verset ça, mais nous prenons tout petit temps là quand nous réfléchissons sur nous-mêmes personnellement. Est-ce que nous glorifions mon Dieu dans le domaine de ça? Pensez-y. Pensez-y. Parce que nous sommes attachés au CEP, oui. Est-ce que nous pas attachés là-dedans? Ok. Sans circuler, pas vrai? It's in us. C'est pas comme. Et puis, Jésus même vient ajouter encore. Qu'on a là, ça son problème, ça y est, on a besoin. Then, et vous serez qui ça? C'est laisse en prendre le disciple. Ça veut dire, et laisse en prendre le disciple. Ça veut dire, et laisse en prendre le disciple. Oh. C'est chantant, ça veut dire, et laisse en prendre le disciple. Non, oui, je connais, mais ça, ça veut dire. Et vous serez mes disciples, ça, ça veut dire. Ça veut dire que sous, vous produisez bon bagage, j'en mets tout. C'est bon bagage que vous produisez. Vous laissez à la passer. Et ça, ça quoi, c'est l'élève est le produit du maître. L'élève est le produit du maître, ok. Donc, ça veut dire que son élève qui gradué. Son élève qui gradué. Parce que ça élève l'affaire. One-on-one, un vrai disciple de son maître. Et ça fait que Jésus était chita avec les disciples, il était chita avec eux, l'enseigner, l'elfe l'enseigner, les graduer, ça vous le graduer là-dedans, pas vrai? Et si vous avez été dans le domaine disciple seulement? Non, il était devenu quoi? Des apôtres. Non, des envoyés. Jésus n'a pas voyé les gens qui n'ont pas porté bon fruit. Il faut porter fruit. Et parce que qui fuit nous pour le porter, les Jésus veut là, on a besoin, allez faire de toutes les nations des disciples. Jésus choisit nous pour nous aller faire des disciples. Bon là, dans le domaine ça, est-ce que nous sentons nous porter beaucoup de fruits? Sérieux, regardez-moi. Parlez avec nous, sérieux. Est-ce que nous toujours connaître? Ou bas de bas? Ok, c'est le badba. La badba, oui. Est-ce que vous entendez? Par conséquent, il y a des gens qui pensent que vraiment font bon travail, un bagage qui manque. Si il y a un chrétien qui est égoïste, qui ne peut pas aider l'autre, un monde qui réellement connaît la servir, il ne va pas gagner. Il va douer comme ça. Normalement, qui sont pensés comme qui? Vous connaissez ça comme qui? You lack of love for Christ. Vous manquez de l'amour pour Christ. Parce que Christ dit, si vous... Comment? Parlez-nous. Nous comptons pas. C'est ce que nous faisons dire là. Si vous m'aimez, gardez... Ok. Bon, si nous ne gardons pas les commandements, c'est que nous n'aimons pas celui qui nous a recommandé d'agir de cette manière. C'est Christ qui nous demande d'agir de cette manière et nous prenons la décision de ne pas obéir à Christ. Ouais. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez les commandements. Après, on peut le dire, mais mes commandements ne sont pas durs. Et au parti, vous aider pour son chrétien, tout le monde, obéissance à Christ, c'est facile. It's easy. Because vous venez aimer mon Dieu. Et vous venez aimer travailler mon Dieu. Et puis, l'offre fait travail, alors qu'il n'y a pas un problème. Ce n'est pas où on parle, c'est pas qu'on aime, on travaille pour le Seigneur. Et c'est ça nous besoin. Et c'est ça l'église besoin, je vous dis. Hein? Parce que depuis après la pandémie, hein? Et l'église a pris un coup. Nous venons prendre ça très sérieux. Maintenant, les bonnes œuvres ne font pas de quelqu'un un disciple. Est-ce que tout le monde a dit ça? Les bonnes œuvres ne font pas de quelqu'un un disciple. Bonnes œuvres, parfois, un disciple. Bonnes œuvres, parfois, un disciple. Qu'aimez ça bien pour nous comprendre. Les bonnes œuvres ne font pas de quelqu'un un disciple, mais elles prouvent
qu'il en est un. Elle prouve, elle, les bonnes œuvres, ça dit, elle, c'est les bonnes œuvres, elle prouve qu'il en est un. Les bonnes œuvres ne font pas de quelqu'un un disciple, mais elles prouvent aussi une l'enfer. Mais elles prouvent qu'il en est un. Et c'est bonnes œuvres qui vont le prouver qu'ils sont disciples. C'est ce que Christ a fait, vous le faites. Vous pratiquez exactement ce que Christ avait fait sur la terre. Il a donné à manger à des hommes et des femmes. Les disciples se plaignent. Comment allons-nous faire avec ces gens-là? Ils sont là depuis ce matin. Mais maintenant, c'est l'après-midi. La nuit s'approche. Mais est-ce que nous voulons les envoyer sans rien? Et Jésus leur dit, donnez-les vous-même à manger. Bah, on mange nous-mêmes. Mais nous n'avons rien. Ça, c'est bonhomme, on te dit encore. Ça, le dégain, ça, c'est bonhomme, dégain. Et puis, ça, dis-le bien. Ok. Et puis, ça, arrive, ça, le fait avec. Jésus, il a porté le bail Jésus. Ça, Jésus fait avec. Non, il va juste multiplier. Respect pour papa, Lia. Tout ça, Jésus a fait, il lève tête, il garde ciel là. C'est nous-mêmes qui va faire, nous sommes banal gardés seulement. Tout ça, on a fait, et puis nous sommes banal gardés seulement. Et puis l'elle va ici nous fâcher, ou Dieu va bénir nous, ou Dieu va aider nous. Et sommes banal gardés seulement. Frère, ma soeur, c'est vrai, sommes banal gardés. Jésus teach, chaque sale bras le fait. Il est veille, il parle avec papa. Parce que, il est sous la terre, il est pas dans le ciel. C'est Dieu, papa, qui l'a fait. Et c'est comment ça va dire nous? Il n'y a pas qu'à go over the head of his father. Il n'y a pas qu'à me passer sous tête papa pour le fond de la parce que puisque nous devons obéir à papa, il présente le papa. Il va réveiller Lazare, quoi ça le fait encore? Lever tête gassière là. Ça fait de l'eau coupée dans les yeux. Il dit, oh, regardez, il a crié. Regardez, il a crié parce qu'il a terrain même ici en pile, vrai. Non, Jésus va crier parce qu'il. Pour ça. Non seulement Jésus, parce qu'il parle à son père et son père l'écoute. Il tend à papa, il peut pas le guider à accepter. Il va être d'accord avec ça qu'il fait. Mais ça, mon Dieu, le fait moi avec nous-mêmes. Que nous pas qu'à jouir bénédiction, mon Dieu. Parce que nous sommes affairés trop aux choses matérielles. Nous affairés à la sur la terre. Nous, l'argent ça. Oh, caille ça. Oh, soulier ça. Oh, rad ça. Oh, dimanche matin, rad mette mal l'église. Et bien, rapidement, pour aller à l'église. Ou parce que vous parlez cœur pour venir adorer Christ. Christ, bon, rad. Mon Dieu, nous rad. Ou pas besoin de rad pour venir adorer. Ou pas besoin de rad pour venir faire mon ouais. Ou venir marcher pour deux. Et puis, non, mon sèche. Ou pas prendre rien. Mais ce n'est pas ça qui intéresse. It's not the way we worship God, you know. So c'est bon à ça on apprend qui a aidé nous pour nous comprendre qui pour nous marcher avec bon Dieu tout bon vrai. On rend les bonnes œuvres ne font pas de quelqu'un un disciple. C'est pas bye wa bye la for un bagaille. On doit bye tout ce qu'on gagne. On rend et vous allez en enfer parce que you're not doing it the right way. You are fell pour faire mon ouais. Et toute gloire c'est pour qui est-ce? Le seul monde qui mérite toute gloire, c'est mon Dieu. Ok? Lorsque les enfants de Dieu accomplissent de bonnes œuvres, ils portent du fruit pour son royaume et glorifient son nom. C'est verset 60 en l'air. Ils portent de bonnes œuvres, bon fruit. Ils portent du fruit pour son royaume. Elle dit que moun sa oko ba l'évangile yo, yo pral nan royaume nan, yo pral nan lier, yo pral nan ciel la, et puis nous glorifier nos bon Dieu, tout l'en fait ça, nous baye bon Dieu gloire sur la terre, elle nous fait tout bagay sa yo. On a continué. La Bible parle beaucoup des œuvres. La Bible parle à faire des œuvres en pile. Si nous même qui étudié Matthieu ensemble avec nous, on pas qu'à oublier bagay sa, l'en tape étudié Matthieu, ouais, vrai? Elle a parlé, Jésus a parlé des pharisiens, il a fait des œuvres pour faire mon ouais. On voit une bagasse, on étudie en pile ici, dans Matthieu chapitre 6. On voit la prière, on voit le monde. On essaie de voir quelques bagasses qu'on y a là. La Bible parle à beaucoup des œuvres. Elle parle des œuvres de la loi. La Bible parle des œuvres de la loi qui sont excellentes. Attendez ça, qu'est-ce que ça? Bien.
qui sont excellentes, mais ne peuvent sauver personne. Galates 2, verset 16. Nous sommes lire déjà. Pas vrai? Nous allons lire verset ça déjà? Comme si nous voulions nous lire déjà, non? Yeah. OK. Cela, mais ne peuvent sauver personne. Galates 2, verset 16. Ça, c'est le premier. Elle parle beaucoup des œuvres. OK? Elle parle des œuvres de la loi, qui sont excellentes, mais ne peuvent sauver personne. Galates 2, verset 16. Elle parle des œuvres mortes, des œuvres mortes. Hébreux 6, verset 1. Si nous t'es calé, ça t'a bon. Nous dit Galates 2, verset 16 déjà. On est Hébreux 6, verset 1. Et des œuvres des ténèbres et de la chair, qui sont toutes mauvaises par nature. Romains 13, verset 12. Cela, on nous lit Hébreux 6, verset 1er. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. That's it. Cela, verset ça, c'est verset pour ne pas oublier. Elle parle des œuvres mortes. Après, on fait bagaille, bon Dieu va me prendre plaisir là-dedans. Ce sont des œuvres mortes. Après, on fait un paquet d'activités, et puis c'est activité seulement. Et puis bon Dieu va prendre rien là-dedans parce que on va glorifier tête ou c'est tête on va glorifier. On a mis tout avec des œuvres mortes dans le travail de Dieu. Après, qui sont toutes mauvaises par nature. Parce qu'elles sont mauvaises. Les œuvres sont mauvaises par nature. Paul explique-nous bien dans Romains 13, verset 12. Romains 13, verset 12. Romains 13, verset 12, mais ça Paul dit. Romains 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Romains 13, verset 12. OK. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc de qui ça? Des œuvres des ténèbres. Et revêtons quoi? Les armes de la lumière. Les armes de la lumière. Et puis, m'taimé, au verset 13, attendez ça, là, moi, dépouillons-nous, t'es fait notre temps pour là, et puis, considérez la temps par nous en Kounia. Ça le dit. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. OK, là. 14 la bonne. Alors, qui est-ce que Paul t'a parlé là? C'est mon nom dans l'église ou bien mon dehors l'église? Mon nom dans l'église. Et les Paul ça, est-ce qu'il y a une technologie ça, nous, Gengounia? Bon, qu'on y a là, qui tant qui va nous pisse moins pour nous pécher? Parce que tout le monde est sous terre. La Bible a demandé nous pour nous renoncer tout le monde. Et puis, mais verset 14, mais ça le demande pour nous faire. Ça le demande pour nous faire dans verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'avez-vous soin de la chair. Et n'ayez point. Et n'ayez point sur la chair pour en satisfaire les convoitises. Ah! Cela dit que dans le temps Paul là, nous ne sommes satisfaits de convoitises de là. Cher, et puis qui s'en ouvre là-dedans, roi, et moi, c'est ça le temps que Dieu ne peut pas faire, pour marcher honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, et de l'ivrognerie, de la luxure, et de la débauche, des querelles et des jalousies. Est-ce que vous allez suspendre dans l'église aujourd'hui? On Sunday, we worshiping God, but. A church full of jealous people. They hate that person for this. Oh, this person always dressed well. Oh yeah. Oh, who does she think she is? Oh, who do he think he is? That we are intéressant. I mean, propose the conversation. Please pass it to the moon. That's what's going on in church. Oui. Yeah. Yeah, c'est ça. Moi, c'est moi ça, refroidi. Cette chaleur qui brûle, cette chaleur spirituelle qui brûle que nous devrions avoir. Nous pas gagner. Nous supposons que les dimanches contre là, c'est une boule et l'autre. Spirituellement, nous vivons.
Service a fini là, mon nom est l'autre venu pour ne pas le nommer, il est passé sous côté. Bon, même quand on a profité, on a bon service, on a bon Dieu bien. Si vous occupez mon ça, vous allez dire tel, après vous allez vous la paix, ou tu étais tout. Vous avez un problème. Bon, si vous allez dire ça, vous allez marcher pire et différent pour le patron. C'est vous qui cherchez ça. Vous allez montrer aux bons chrétiens et vous allez prendre honte. Bon, mes papas, nous allons prendre honte. On dit bon, vous prenez. On dit bon, mais vous faites devoir comme chrétien. Vous faites devoir. Vous faites devoir. Vous voyez? Faut veiller. Oh, c'est parce qu'on a compté à moun. Ouais. On a absolument dans le couloir là, et puis on a ouvert porte sa femme, et puis il va l'entrer, et puis il a le gars, c'est où? Il va monter sous chair. Il tourne back dehors. Moi, je suis pour faire ça. What do you do? You're gonna say, hey, tell toi, fais là. Ou créer problème. C'est où faire scandale là? Mettez doucement. Il est bon d'attendre quoi? En silence, le secours de l'Éternel. Ouais. So, now, j'espère que tout le monde comprend ça, qui est extrêmement important pour nous avec nous-mêmes aujourd'hui. Romains 13, non, verset 12, nous lisons jusqu'à verset 14. Galates 5, verset 19 à 21, tout le monde compte ça. Pourquoi nous besoin de l'île? Nous allons compter ça dans Galates 5, verset 19 à 21. Nous allons compter? Frère, où nous allons compter? Les fruits du Satan. Du Satan. On va essayer de faire distinction aujourd'hui. On fait distinction. On l'île. Fais-y, on met-elle pour nous, s'il vous plaît. Get on met-elle? Right, ok. Oh, ok, c'est bien. Ok, so now. Bon, on analyse la vie, nous, pour nous. L'homme dans l'église, est-ce que nous pas comme ça? On a besoin. Then, one. C'est au cap dirige mon bagage, c'est au cap mon bagage. Sous qu'on marque mon sang, mon bagage là. Ou font je pour marquer mon nom. Attendez, c'est bagaille mon Dieu qui a fait. C'est les affaires de Dieu qui a fait. C'est vous même qui a dirigé un bagaille pour mon Dieu. Et puis pendant que vous dirigez pour mon Dieu, vous dérangez l'autre la donne. Vous dérangez l'autre la donne. Vous faites paraître l'aide. Vous faites paraître, elle n'est pas prête rien. Et puis mon Dieu lui-même a souri, elle a fait là. Et mon Dieu lui-même a déjà connu. Sa petite y a fait pour lui, il satisfait de lui. C'est pas ça à faire qu'à gâter ça l'a fait pour mon Dieu, parce que il est pas fait pour les hommes, l'a fait pour mon Dieu. Et puisque c'est pour mon Dieu l'a fait, ça qu'a passé. Bon Dieu béni le quand même. Et puis finalement, qu'est-ce qu'a bien problème d'après moi? Parce que on va créer problème. On dans mes jours, dans les affaires de Dieu, on va créer problème. Sur verset 19, là, ça le dit. Maintenant l'air. Or, les œuvres de la chair sont quoi? Sont manifestes. Ça veut dire un bagage qui manifeste. Non. Ok, qui ça oui? Évident. L'impudicité. Tout le monde connaît l'impudicité, pas vrai? Après l'impudicité, c'est qui ça encore? L'impureté. L'impureté. Ah, tout le monde connaît l'impureté, ça allait parler de liquide, ça comme dans, pas vrai? Qui ça encore? La dissolution. Ça, souvent la dissolution. Bon, l'autre mot est un synonyme. Bon, synonyme. Oh. Si on va quand même appuyer ça. Nous avons l'autre. Hein? Ok. Sa dissolution veut dire. Aussi, ça va combien? Oh. Quelqu'un qui est dissolu? Non, mais ça moi, mais dit dissolution. Solution, dissolution. Mon cap crasé, brisé, cap dérangé, dissolution, cap dissoudre, au fin bil on bagay, l'écrasé, dissolution. Et puis dissolution, capable de division. Cap crasé. Crasé, brisé, yo bon. Et puis même tout mettez le pour encore, ou pas le mot ça, qui c'est encore? Oh, m'y a fini? L'idolâtre, qui c'est encore? La magie, mon t'a dit, quand tu vas s'associer pour l'homme dans l'église, à l'église pour la parler là. La magie, qui c'est encore?
inimitié. Nous connaissons ça, inimitié veut dire, après? Ça veut dire. La magie, c'est mon cap pour un bib mettre en bas tête. Oui, oui, il a beau y faire bib pour faire thé pour au bois. Pour qu'a guéri au bout il fait bib. Et elle prie pour un monde pour mon guéri, faut frapper bib dans la tête. Il m'a balle 7 coups de bib dans la tête. Pou! 7 coups de bib dans la tête. Pou! C'est à moi, chasseau. Pou! Au nom de Jésus, je me chasse. Pou! Après coup de bib dans la tête. On allait finir prier pour mon Dieu, aller au guitare, la tête fait mal. Et puis mon Dieu m'a demandé tout le bagage ça. Mon Dieu m'a demandé tout le bagage ça, mes frères et sœurs. Nous pas dans le rythme encore, nous pas dans le bagage encore. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ok, qui ça le dit encore? Querelle. Oh, mes amis, ça même terrible, net. Il y a des gens qui parlent pour faire des autres là, même dans l'église, pour faire discussion l'une à l'autre. Go discussion, il doit aller vendre dans l'église là. Et là, on m'a dit, c'est smart. Là, on va passer pour courir. Courir, Jésus qu'on courir. Dès qu'on courir, elle est sur la terre. On a dit, ok, qui sont encore? Là, elle n'a pas dit la jalousie, non? Elle dit là. Parce que les gens font jalousie pour toute bagaille. Qui ça? Vous me demandez ça à une émission, vous avez dit. Vous avez dit? Non, non, ça, vous dit. Yeah, vous avez dit avec vous. Ça. Vous avez parlé avec vous. Qui c'est encore? Animosité. Chauffer du feu, right? On a fait une bataille. Entre vous, qui c'est encore? Dispute. Bon, ça, même, nous avons besoin de nous connaître ça, même, les vivants, nous, tout le temps. Les divisions, et puis qui c'est encore? Mais ça ne t'a pas dit dernièrement. On a un petit sec, lui, ses affaires parlent. Ok, c'est so là. Oh, il y a toujours, monsieur. Vous êtes tout seul, hein? Maman! L'envie, l'ivonnerie, les excès de table. Et ça, de tout, de table, c'est ça? Excès de table là, c'est là où allons. Quel que soit quand on va manger, on va dire, faut intelligent. Petit bon Dieu, il faut veiller. Si c'est nous six qui sont sur la table, right? Je mets ton plat. Banane pesée. C'est haïtien, mais banane pesée. Je mets 12 banane pesée, c'est nous six qui sont sur la table. So, combien chaque monde doit gagner? At least chaque monde deux, ouais. Bon, pour ça, on même premier monde qui prend le 4. Dis-moi, c'est moi qui m'a fait. Si, c'est moi, si, dis-moi, j'aime moi ça. L'éliminer deux mounes. L'éliminer une, oui. Yeah, l'éliminer une. L'éliminer au monde. Yeah. Eh non, mais vous, excès de table. Excès. On va faire excès de table, et puis, on prend quatre. Là, 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 on mette du riz, à ce table-là. On a besoin de son gros bol de riz, on mette pour tout le monde prendre. Et moi, mon gars, moi, j'ai mangé un agneau sans craser. Parce que c'est du riz, on fait ce froid. Parce que c'est du froid, c'est du froid, le produit en vent. Elle prend du riz à voir, puis prend moitié. Bon, combien de monde qui est après? 5 monde qui est après. Prend moitié. T'as chargé. Bible n'a pas parlé, c'est ma vraie soeur. C'est Bible à dire, c'est pas moi qui a dit, c'est les excès de table. On mange, on mange, on mange, on mange, ça c'est ventouplé. On est à la lèvre, on a gagné mon lèvre, on est tellement plein qu'on a ressenti. Oui, bah la vle sorti, oui. Parce qu'on n'a pas qu'à respirer. Non, c'est pour chercher un côté en toilette pour courir vite. Et il faut être dans la gorge. Ah, excès de table, excès de table, excès de table, mes frères. Bible a aidé nous pour nous faire bon chrétien en pile, mes frères. Oui, bon chrétien en pile. Qui ça dit encore après ça? Et les choses semblables. On garde sa Bible a dit. Moun ka fè yo a. Ça arrive. Qui commet? Qui ça? De telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Est-ce que c'est moi qui dis ça? Tout le monde qui a fait bagage ça, il n'y a pas hérité le royaume de ou pas rentrer dans le ciel là. Wow. Si on ne va pas rentrer dans le ciel là, peut-être deux bonnes en plus. Alors, ce n'est pas seul, ce n'est pas deux bonnes ça, c'est moi qui ne faut pas rentrer, non? Mais on a plusieurs deux bonnes.
Si vous avez un côté qu'on y a là, c'est 20 moun qui gagne. 20 moun qui gagne. Right? 20 moun qui gagne, vous mettez 40 bananes. Ça passe. Même bagaille là, pas vrai? Comment vous supposez prendre? 20 moun, 40 bananes. Comment vous supposez prendre? 2. 20 moun, 40 bananes. Yeah. Comment vous supposez prendre? 2. Ouais. Vous prenez 6. Vous tuez tout le monde. Vous dérangez pas là. On a sauf l'homme marche tout côté on fait ça. Et aussi qu'un nèg même alors par contre si qu'on gagne chrétien là-dedans. Nèg nèg qui il y a les nos mariages on va quelconque. Il y a un problème avoir nous pas. Gagne qui aller mais tout venir là puis juste voler chicken tout on est là tout préparé mettre sous voler coden. Où tu qu'on fait ça? Voler coden on a mis au premier level on. Ah, Meni, tu as dit ça, c'est à dire. Si c'est pour ça, on ne peut pas entrer dans l'âme de Dieu. Alors, ce n'est pas pour ça seulement, pour tout ça, nous sommes dit. Lui-même là, dans tout. Mais ce n'est pas qu'il y a des bagages, nous sommes cités là. Si c'est pour ça, on ne peut pas entrer dans l'âme de Dieu. Yeah. Oui. Mais. Il y a des gens qui font plus de gros bagages que ça. Non, tout ça nous dit là, ils sont censés entrer dans tout le monde. Mais ils ont plus de bagages. Yeah, mais c'est pour veiller. Mais ça n'est pas ça péché. C'est une qui mène l'autre. Yo connecté ou fait une non pas faire l'autre là on entend bien son na son qui aimer manger on entend bien qu'on y a là même pas de voulez boire ta fia on entend bien les nèg commencer boire ouais un bon fort boire parce que c'est Satan qui vient mettre là où on a il vient font gens pour prendre on mettre là prend tout et là manger tout et là même là pas envie bagarre manger non that's no good. C'est ça, oui, l'excès, oui. Excès, ça veut dire qu'on va aller au-delà de ce qu'on doit faire. Excès de table. On a dit, bon Dieu, pas d'accord avec ça. Bon Dieu, pas d'accord avec ça. Ce n'est pas ce qui est venu dans l'année de commencer, ok? Ce n'est 2 minutes pour nous finir. Ok, ce n'est pas un aller. Qui va te mettre là encore? Nous finissons avec ça, oui? Ok, qu'on y a là, on regarde, frère Simon, quand on va l'autre verset, qu'on a pris là. Écoutez, il dit, et au contraire, là, les œuvres de l'esprit. Vous comprenez? Bon, on quitte, next time. Fruit de l'esprit, yeah. Ok. Sona, tu me finis avec ça. Assez, ok, facilement. Ok. Yes, c'est ça. Mais ça nous besoin de nous pour nous capables mener une plus bonne vie, pour nous capables de vivre avec le Seigneur. Pour nous aimer, frère, nous, on a l'impression. Ouais, allez. Mais, attendez, oui. Les œuvres de la chair. Combien nous t'es cité là? Un paquet, c'est vrai? On a l'air de vivre dans un bon bagage, là, ça, elle dit. Pour pas avoir un paquet dans notre tête, pour après tout le bagage, ça, elle dit. Le fruit de l'esprit, c'est qui ça? C'est l'amour. Qui c'est encore? Oh! Et puis, qui c'est encore? Et puis là, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Bon, quand on a l'eau vivre comme ça, c'est là où on va le faire quelque part pour qu'il n'y ait pas de content. Hein, parce que, on bénit l'autre monde. On bénit l'autre monde. Dans l'action, on bénit l'autre monde. Dans la parole, on bénit l'autre monde. Parce que vous êtes un monde qui est toujours joyeux, qui est toujours content. Ou son monde qui est paisible, ou son monde qui pas fait chobol avec monde, querelle avec monde. So, c'est le contraire. C'est avec eux. Paul Pral dit plus tard dans le passage là, deux bagages, au contraire, une à l'autre. Dans les œuvres de la chair, c'est au contraire, une à l'autre. Il n'y a pas même bagage. Il a couru parallèlement, mais il n'y a pas même. C'est-à-dire qu'il est très important pour moi de saisir ça. Pour nous comprendre, pour nous pas quitter malheureux et nous. Ok, cela. Toutes ces œuvres sont le produit de la force de l'homme pour lui-même. Tout bagage ça y Éphésiens 5, verset 11. Prends verset ça, toi. Éphésiens 5, verset 11. Prends, s'il vous plaît. Éphésiens 5, verset 11. Son jeune étalil, s'il vous plaît. Éphésiens 5, verset 11. Et ne prenez point
pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. OK. Bon, nous allons interrompre tout ça. Yo. OK. Si on n'a pas pensé à seulement. Il dit un paquet de bagages en vent. Il parle du feu de la lumière, verset 9, au nom de Dieu. Et puis il demande au verset 10 pour examiner ce qui est agréable avant au Seigneur. Ces bagages, ça ne nous pas fait, qui fait nous un paquet de problèmes dans la vie, mon Dieu. Et ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Parce qu'il y a une fois, nous dans l'église, mais nous dans le groupe, là, la fait mauvais bagages. Ou connaît ça la faire pas bon, li dou mais ça la fait. Nous ri crac 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 ensemble, nous ri. Et puis ou va chambre un jour pour dire tel ça faire pas bon, non, li va juste ça faire. C'est mon dou mais ça la fait. Mais ça la fait un tel, bon un tel va connait lui même, un tel là sont innocents. On a besoin mais mon a font des actes de méchanceté qu'on connaît, ou pas dire rien. Restez doucement, ou va connait plus tard. Ou va connait. Bon, anyway, nous finissons 5, verset 11. Toutes ces choses sont le produit de la force de l'homme pour lui-même et ne jouent aucun rôle pour nous finir dans le salut. Tout bagage, c'est aussi business ou après régler, ou après régler à faire part, mais ou pas jouer rôle dans le salut. C'est là nous finissons à soir. Que bon Dieu bénisse nous. Bah, on est si on a une question, on a pris une question, et puis pour nous finir. Bien. Nous attendons, non? Micro. Il y a même conséquence. Le salaire du péché, c'est la mort. Il va en dire Romains 3, 23, right? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Seul ça peut être avec péché. Bon, moi, je connais. Qui ça peut être avec péché? La prière. La prière. Qui est-ce que vous aider nous dans le domaine ça? Qui ça peut aider nous avec péché? Reconnaître qu'on wrong et puis qu'ils ont fait repenti et vous venez contre bon Dieu et puis bon Dieu accepte encore et puis mais c'est parce que nous persistons pas jamais quitter ouais so les babons so that's et, it et pas ça parce que et pas en question non moi ouais t'as qui un problème en te on passe qu'à prêcher au message moi pas semaine passée qui t'ai fait la une sur net là quand elle t'a dit que femme pas gain droit pas supposé leader. Famille, pas qui ça? Femme. Vous ne pouvez pas pasteur. Yeah. Mais en pile, même pasteur, tu es joué. En pile, ça te fait en parlant pile. Yeah. Pour qui, je ne sais pas qui position sur la gaisse. Nous ne parlons pas de ça ici, dernièrement. Yeah. Nous-mêmes ici, nous ne sommes pas une femme pasteur. Si nous sommes à cause de certaines baptistes, comme je nous hier, ou un qui parle d'accepter la femme pas capable. Ou un pile l'église, mais pas une femme qui passe. Ou un l'église baptiste, ou un pas une femme passe. Mais toute l'autre l'église de Dieu, ou un trop de Dieu, y'a une fille. N'est-ce pas pasteur, puis madame y'a pasteur. On est dans l'église. Mais nous-mêmes, c'est le principe là. Alors, après tout, on dit que femme y'a pas d'autorité sur garçon. Après, bagala vient passer dans le domaine côté que. Et non, les femmes n'ont pas de problème. Mais en honnête, les femmes, attendez-moi. Si l'église, yo, frère, nous avons des femmes comme pasteur, ça t'a pas passé dans l'église, là, pour nous-mêmes. Parce que les femmes n'ont pas. Marie-Agène doit prêcher ici, si madame n'est pas pasteur. Marie-Agène doit prêcher ici, elle compte dans ce moment. Non, chérie, ça dit, elle n'est pas vrai. C'est pas ça. C'est ça que tu as fait. C'est ça que Paul pas content. Paul dit que la femme se taise dans les assemblées. Si vous avez une question, attendez d'arriver à la maison. Vous demanderez à votre mari. Et dans la Bible, là, il dit c'est Paul qui dit pas Jésus. Non, Paul, c'est en bas d'onction, Christ, il t'a parlé. Tu as des ordres. Il y a. Et des autres même qui deviennent dans l'église. Yo. Et nous connaissons les femmes qui ont fait des autres. Tu vois? Femmes qui ont fait des autres. Et nous avons comme une assemblée pour dire n'importe où sous chair, ou on a mis tout, fais un bouchou, soit bien, pas ça. Tu vois, gagné, c'est Chantal. Yeah.
Non, Paul te dit ça. Ah non, alors, on peut l'église, mais moi, je n'ai pas un problème. Si je me bats dans le corail, je n'ai pas de problème pour me diriger. Parce que, si vous avez une femme dans l'église, c'est bon, nous avons. Une femme, c'est une femme. Là, vous avez une femme. Regardez, une femme, elle travaille avec les garçons, elle travaille. Est-ce que c'est une femme? Une femme, une business. Oh, une business, man. On l'a dit, c'est pas une femme qui me fait mal pour vous. On l'a dit, c'est un garçon seulement là, noir, et regarde où tu es fait. Regarde où tu es fait. Le dimanche, pas un problème. Il y a un problème. Un fille, sur ça, il y a un business. Il y a un bagage qui prend de sérieux. Ouais, même dans l'Ancien Testament, bon Dieu, tu es obligé de te faire droit avec un bon Dieu qui est un paquet de femmes. Après, on a un juge, femme abscessive, femme abscellante, dans l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament, parce que vraiment, vous regardez que Jésus choisit 12 hommes. Pas de bonne femme là-dedans. When? So all these things are counted for that too. One division. So then, taking from the ministry, but when? I'm sorry to say that in the Old Testament, dans l'Ancien Testament, la femme était considérée comme une chose. Et dans le Nouveau Testament, Jésus vient lever from you. When? Yeah, alors, dans cet instant, il y a quelques femmes qui disparaissent vraiment. Oui, ils savent que Négoté a quitté madame pour n'importe raison. Alors, si madame vous porte un café, bah, et puis. C'est que ça? Eh bien, ça n'a pas allé. Hein? Ça n'a pas allé. Eh bien, ça n'a pas allé. Oui, c'est vrai, sérieux. Mais Paul. Paul dit, la femme n'est pas sans l'homme. L'homme n'est pas sans la femme. C'est ça qu'on dit à même. Ouais, l'homme n'a besoin de femme pour sortir de ventre. Et quand ça fait avec eux, Paul va concorder pour lui dire, maintenant, il n'y a plus juif, plus grec, plus esclave, plus femme, homme, nous tous, nous sommes une en Christ. Si nous tous sommes une, que ça a une femme, nous allons passer là. Ça fait le passer. Le passer. Mais pour éviter des ordres, parce que les femmes, elles sont pour un côté à diriger, frère, il n'y a pas de monde. Il y a un chasse sur n'importe qui, genre. Il faut faire un bouche sur n'importe qui, genre. Tandis qu'on ne peut pas faire, on fait un bouche. Et ça, tu parlais, dans l'église, tu parlais en anglais, tu es tout le bagage. Si tu campes, tu parles, les gens, vous voulez, vous voulez, bon Dieu, bon Dieu, vous voulez ça, il faut un respect. Ouais. Et m'a dit ça, si nous avons commencé à mettre des femmes pasteurs dans l'église, nous, mon cher, il y a une grosse différence. But, comme le Seigneur Dieu a fait l'appel, même si certains, bah, ça a changé. Moi, elle a changé. Elle a changé quand même. Femme, yo, a bien femme qui a venu dans le pasteur dans l'église. Parce que femme pasteur dans le paquet de l'autre l'église. Ouais. Et même baptiste. Hein? Bon, mais vous entendez? Vous entendez ça le dit? Vous entendez? Ça le dit, bon, vous entendez? Bon, ok, bon, pas besoin de dire encore. That's it, I'm done. We're done for tonight. On est prêts pour l'année. Soit dit dans sa frère, ou vous marchez dans l'église, on fait comme pasteur. On fait un genre sérieux. Je ne dis ça parce que qui ça nous besoin, c'est la parole de Dieu. That's it. Maintenant, si l'Esprit, bon Dieu, est capable d'utiliser mon et que la présence du Saint-Esprit demeure, je ne suis pas prêt à le critiquer pour me dire que je ne suis pas prêt à le marcher dans l'église, que c'est fille pasteur. Parce que qui ça nous a besoin, c'est la parole. Et la parole là, elle choisit n'importe monde pour porter parole. Non, bien sûr. Ces mêmes gens, tu as dit tout, si on fille à prêcher, je ne suis pas prêt à le tendre. Moi, je pense que le Seigneur utilise mon nivelé. Si c'est la volonté de Dieu. Yeah. 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 You well, c'est qu'on s'allie, mon ami. But mais l'a changé. Ok, l'a changé. Le pour changer, Christ a changé. Le monde a mis. On prend comme ça parce que jusqu'à présent, on marchait bien. On nous quitter fait au prêcher,
yo prêche dimanche soir et yo kon prêche dimanche matin tout les programme yo. Ou wan, là c'est programme yo nou kite yo prêche dimanche matin. Ou wan, nou pa nou yo. But c'est là nou pa gen fik pasteur. Mais si nou te gen opportunité pou gen fik pasteur, m'tap gen même la commencer mon en film, m'tap gen même at least deux pasteurs déjà. M'tap gen deux déjà. Yeah. But anyway, so c'est comme ça va arriver, but nous fini. Okay, let's turn so we can pray. On va venir prier pour aller bien content nous t'est venu pour rendre l'étude possible. On a prié pour nous aller. Seigneur, nous remercions infiniment pour cadeau qu'on fait, nous t'ai dormi hier soir le matin. Alors nous passons une bonne journée sous protection. Nous t'attendons mon Dieu pour nous capable rentrer dans le sanctuaire. Et vous nous capables d'étudier parole. Et vous avez fait nos cadeaux d'opportunité. Merci pour chaque frère, chaque soeur qui a fait le déplacement qui vient là. Bon Dieu, vous retourner aller là, car nous, bon Dieu, vous aller en bien. Merci pour Frère Simon, là, vous capables d'occuper les affaires techniques, mon Dieu, pour nous, la caille de Kawé. Et nous, vous merci pour ça. Et qu'on y a, mon Dieu, nous allons aller avec nous, vivre avec nous, faire nous dormir en paix, mon Dieu. Nous allons passer une bonne nuit de protection et lever le matin en très bonne et due forme, cher Seigneur, pour nous continuer à servir. Aller au travail, retourner à la maison, cher Seigneur, mon Dieu, et pour retourner au service demain soir, Dieu voulant. Nous comptons sur toi, ô Dieu, ne nous abandonne pas de notre salut, espoir d'une humanité lointaine. Fais-nous vivre et nous invoquons ton nom. Et nous savons que ton nom est magnifique sur toute la terre. Bénis-nous, assistez-nous, va avec nous et. Dors avec nous, gracieusement dans le nom de la de Jésus, notre divin sauveur, lui qui vit au siècle des siècles. Amen. Anata. Maintenant que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, notre Père, la Seigneur, intime, comme nous sommes chacun de nous sur ce groupe des présents au siècle des siècles. Amen. Maranatha. Soyons prêts. Ah ouais, maman. Non, Jésus, c'est ça. C'est comme ça, c'est posé. Ah, il y a beaucoup de